Partie 11. Partie 11, qu'est-ce que je raconte? Partie 7. Partie 7. Partie 7 de l'excellent, mais néanmoins terrifiant, visage. On va reprendre la partie. Hop. Là, j'ai mis le jeu en pause pour nous éviter on reprend. Voilà. Pour nous éviter le chargement. Donc, le jeu, si on n'est pas idiot, le jeu nous remet à chaque fois. Enfin, quand on meurt, on revient ici. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'une fois sur deux, il fait le flash. Là, par exemple, il ne le fait pas. Ah, il ne le fait pas sur les endroits où où c'est cliquable. Ok, je viens de comprendre un truc. Par exemple, là, il peut le faire. Eh ben, on va y aller tout doux. On va y aller tout doux. On va essayer de se pas se faire avoir. Mais du temps à faire le flash, hein. Moi j'ai vu des vidéos sur YouTube. On va mettre le micro là, on va être bien là. Voilà, là c'est bien. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les mecs faisaient le flash à répétition, hein, j'avais l'impression. Va peut-être pas se faire toutes les armoires comme ça. Putain, il est là. Bon, de toute façon, je l'entends dans toutes les armoires alors. Ah putain, même à la manette, je sais pas, mais. Le flash met 15 ans, hein. Ah, c'était pas mal. Bon, on se souvient où on est mort, hein. Ah. Non mais... Voilà, non mais... ça prouve bien qu'il y a un placard à éviter, quoi. Et il y a un autre placard à faire. Alors pourquoi faut qu'on trouve un placard avec le dessin de Babadook? J'appelle Babadook, c'est un très mauvais film, ne le regardez pas, hein, c'est pas bon. Bon. Moi je vous conseille, je vous l'ai dit, un relique. Si vous voulez un film qui fait peur sur une maison, vous regardez relique. Babadook, c'est nul. Pour ça je l'appelle Babadook, s'il m'énerve. Et puis aussi parce que j'ai mon ami Nick Taras qui l'a surnommé ainsi. Et depuis ben, on n'en change pas. On change pas, on change pas une équipe qui gagne, vous le savez. Question d'incompréhension. Bon, j'abandonne quoi. Parce que là, la faute vient pas de moi ou de mon skill ou de mon intelligence, c'est que. Ah, peut-être que j'écoute pas assez bien les sons et qu'il faut se faire toutes les matrioshkas. Je trouve ça très curieux de vous à moi. Hein. Je trouve ça très 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 curieux, d'ailleurs mettre la lumière. Je trouve ça très très curieux que le jeu nous téléporte à chaque fois ici. Ça c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. À mon avis, il n'y a pas un hasard. Le fait qu'on ne puisse pas sauvegarder quand on est à l'étage inférieur et qu'à chaque fois il nous téléporte ici, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici. Le problème. C'est que quand on se plante de placard, alors peut-être que c'est par die and retry, on sait quel placard pas ouvrir. Mais là, bon, vous avez le nombre de placards? Enfin, c'est possible, hein, c'est un jeu, un jeu qui en préambule nous dit que c'est difficile. Une respiration là-dedans, hein. Fou. Hein?
Ça respire là-dedans. Il est là, 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 je me chie dessus. Non, il est pas là. Il y a peut-être deux matrioshkas à choper, j'en sais rien. Déjà, le concept de la matrioshka, j'ai pas compris. Hein. Et ce petit côté où des fois il fait un flash et des fois il le fait pas. Ah, je l'ai j'adore. Oh mon dieu, je deviens dingue. Ma femme va me quitter. Hein. Elle voit bien que je joue à ce jeu-là depuis longtemps. Hein. Elle comprend pas. Hein. Elle voit bien que ça fait des soirs et des soirs que je perds ma vie là-dessus. Elle va me quitter. Ça fait une semaine que je vais plus au travail. Hein. Je vais perdre mon travail, je vais... Enfin... C'est pour ça que j'ai envie... Et regardez, maintenant, il y a des bougies. Ah bah c'est bon, on a réussi. Là, on a réussi. Là, ça veut dire qu'on a réussi. Ok. Donc, je commence à comprendre. Ici, on s'en branle. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Faut allumer des bougies. Ici, on s'en branle aussi. Ça y est, je commence à comprendre. Putain, au bout d'une heure. Une heure, hein. Allez, ouvre-toi, petit coquin. Donc là, on descend l'escalier. Hein. Fais pas les cons. Et on va être téléporté ici. Ok. Et on va avoir une autre bougie. Putain, ça sera pas dit que ce jeu allait me, va me... Hein, ça sera pas dit. Ça sera pas dit. Regardez, lui il nous fait plus peur. On ouvre le tiroir. Voilà, enculé. Pardon, coquin. En plus, il a même pas de zizi. La honte. Bon, voilà, là on a été téléporté. Petite musique d'accomplissement. C'est ça. C'est une petite musique qui nous signifie qu'on a bien fait la chose. Regardez, et maintenant, si on y retourne, il y a une petite bougie. Ah, on commence à comprendre. Maintenant. On va s'affairer à l'étage. Bon, là, on a plus peur. Bon, je dis ça à chaque fois, et à chaque fois, sur le flash où elle apparaît... Ah, c'est le prochain. Ah là 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 là. Pas facile. Hein. C'est pas facile. Facile. Donc, à partir de ce moment-là, on a allumé deux bougies. Est-ce qu'il... Et la pendule... On est d'accord que si on va au bout là-bas, c'est Babadoc. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le mur avec... voilà. Ok, voilà. Ça, on l'a bien assimilé. Ça, c'est dans la poche. In the pocket. In the pocket. Comme disent les anglo-saxons. Là, on sait que ça ne sert à rien. Hein. Mais bon... Par souci... Et acquis de conscience. On va photographier comme un connard. Bon, il a pas l'air de venir. On va lui ouvrir sa... Il aime pas qu'on ouvre ses armoires peut-être. Bon, elle est bien ouverte son armoire là. Hein. Cache pas derrière la porte, Babadoc. Bon, ok. Là, on peut se casser. Là, on se dépêche. Ferme la porte là. Et on flash. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, là, il est parti, là. Moi, j'ai l'impression qu'on est bon, là, pour l'instant. On éteint cette merde. Pardon. J'ai rien contre les radios. Hein. Contre les radios. C'est une façon de parler. Peut-être des gens qui travaillent à la radio. Ou qui conçoivent même des radios. Qui l'ont mal pris. Non, non, on éteint cette... Enfin, c'était... Je dis ça comme ça. Hein. Toi, tu me fais plus peur. C'est fini. Les vilains mannequins. Donc là. Bon.
Pour vous mentir, ça m'a encore. Ça fait 10 fois, hein, mais je me suis encore fait avoir. Bon, normalement, selon toute vraisemblance, la porte devrait être ouverte. J'aimerais bien, vraiment, pour moi, pour la communauté, pour l'avenir du stream en général. Ça me ferait très plaisir que maintenant la porte soit ouverte. Parce que là, je ne vois pas d'autre chose à faire. Eh putain. Alors peut-être le fight dans le salon. Parce que j'arrive pas à imaginer que les concepteurs se soient fait chier, oui, à modéliser un salon entier comme ça. Il nous manque une bougie, quoi. Nous manque une bougie. Ah, on s'est pas assis sur la chaise. On s'est pas assis sur la chaise. C'est vraiment con quand même que ça soit un trigger. On s'est pas assis sur la chaise. Bon, ça nous reste deux minces espoirs là. Vraiment. Petit espoir de merde. Pardon. Tout petit espoir. Non, là c'est. Voilà. On y retourne vite fait. Alors, c'est ici. On s'est pas assis sur la chaise. On est passé un peu vite fait. Regardez, d'ailleurs les portes sont encore fermées. N'est pas ce placard. Voilà, là on s'est pas assis tout à l'heure. Peut-être qu'il faut faire ça. Et peut-être que ça fait trigger. Voilà. Bon, vous avouerez quand même que le jeu, si c'est ça, ben je veux dire, c'est la première fois dans le jeu où je trouve que là, il y a un petit côté agaçant. Bon, là, on sait que ça sert à rien. Bon, au pire, on y retournera. Là, je pense qu'on peut remonter sereinement. Parce que vous avez entendu la musique, c'est vraiment une musique d'accomplissement. Ça grince de partout. Merde. C'est à gauche. Non, pour l'instant. Là, ça fait 3-4 triggers qu'on fait. Espérons que ce soit ça. Par probabilité et déduction, à un moment donné, fatalement, on va finir par trouver. Mais bon, passer 4 heures sur ces conneries. Voilà, là faut le fighter. Je n'arrête pas de flasher parce que il me saute à la tronche. Il me saute à la tronche si je ne le fais pas. Alors j'espère qu'il arrivera pas par la droite, quoi. C'est bon, je l'ai eu. Quand il fait ce bruit de merde, c'est. Enfin, pardon. Ce bruit là, c'est que c'est bon. Et est-ce que ça va débloquer la porte? Mes amis. Mais non, on est toujours dans. Comprends pas. S'il y a quelqu'un sur le chat qui peut m'aider, qui a fait le jeu, ça me serait d'une très grande utilité parce que je ne regarde jamais les solutions sur internet. Juste un tout petit backseat parce que là, les triggers à faire là sont. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais ils sont un petit peu fastidieux et ennuyants. C'est un excellent jeu, mais là c'est la première fois dans le jeu là où. Bon, la peur est là, hein. On se chie dessus, ça c'est pas de problème, hein. Pas de problème. Mais tout de même, c'est pas clair.
Bon, t'as rien à nous raconter, toi. Le petit train, là. C'est très joli, d'ailleurs. Hein. Genre, mon fils, là, le 22. Ma femme va accoucher le 22. Bah, moi, j'aime beaucoup les gens en bois. On la connaît, elle, hein. Elle était dans la chambre. Non, là, on va en arriver à la méthode pixel, c'est-à-dire qu'on regarde, enfin, on regarde tout, quoi. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que l'humanité a envie de ça? Je suis pas sûr. Je vois pas où. En plus, je ne vois pas d'autres bougies, quoi. Que on a pro là en il est quoi? Ça fait putain de ta mère. En plus là, il peut arriver de partout. Hein. On va aller se coller contre un mur. C'est bon, on l'a eu. Hein. C'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, en 2 heures de temps, on a réussi à allumer 2 bougies. De façon complètement random. Alors, est-ce qu'il fallait continuer? Je pense pas. À partir du moment. Bah, peut-être que c'est ouvert maintenant. Bon, je crois pas. Non, c'est toujours fermé. Évidemment. Évidemment. Ça aurait été trop simple. Alors peut-être que maintenant qu'on a fait tout ça, au bout du couloir, il n'y a pas qu'une bougie. Ah, évidemment, il n'y a qu'une bougie. Qui est très jolie, hein, c'est pas le problème. Très jolie bougie. Mais ça nous aide pas qu'elle soit jolie. Malheureusement. La beauté de la bougie n'en rentre pas en compte en jeu, quoi. Non. Il va falloir trouver. Bon, le salon. Voilà, je ne vois plus que ça. Hein. Là, je pense avoir tout fait, là, cet étage. On va retourner sur nos pas. En plus, maintenant, je connais bien le. Tiens, on avait laissé le briquet. Allez hop, reviens, petit coquin. Un petit briquet, t'es resté là. Allez, je fais ma vie. Je reste là, je fais dissidence, je fais sécession, je veux plus t'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a autre? Eh, regardez au sol! J'ai pas vu ça, moi! Oh putain, j'avais pas vu! Oh mon dieu, putain! Qu'est-ce que je suis con, mais c'est pas possible! Bon, ça c'est pour ceux qui ont eu la patience de rester, hein. Je l'avais dit, hein, par probabilité qu'on allait y arriver. Mais est-ce que c'était. Est-ce que. Faudra que je regarde sur la VOD. Hein. Est-ce que le tapis était comme ça? Parce que je suis pas si con. Là, il y a un petit trou là. Ah, on a retiré la barre. Donc, on sait où aller. C'est la bonne nouvelle. Bon, normalement, si on fait pas trop le con. C'est-à-dire si on arrête de jouer comme je joue. Et ben, on devrait arriver. Hein, au. C'est bon. Cela, on sait exactement où est cette putain de barre. Enfin, je dis ça, puis on a un doute. C'est en bas. Hein. C'est en bas. Mais je serais très curieux de revoir la VOD. Est-ce que le tapis était déjà comme ça? C'est ici. Hein. Là, on peut ouvrir la porte maintenant. Oh putain.
un petit bouton là? Non, c'est bon. Je la laisse ouverte pour se rappeler. Je la mets entre-ouverte. Si des fois on est perdu. C'est bon, on est passé de l'autre côté. Sauvegarde en cours. Oh, merci Dieu, merci. Mein Gott, donc. Oui, parce que on parle tout le temps anglo-saxon et on oublie un peu trop vite, rapidement les germaniques, je trouve. Ce peuple si gentil qui nous a jamais fait aucun mal. Ah, pardon. On va encore se faire ban de Twitch. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas germanophobe. Non, mais je me permets cette blague, la moitié de ma famille est allemande, donc ça va. Ça me fait rire. Bon, de toute façon, il y a une sauvegarde, on s'en fout. Si vous vous demandez pourquoi je parle beaucoup, c'est parce que je stresse. Hein. Oh putain, c'est bon, on l'a eu là. Vous avez vu ça? Oh, bonne mère. On progresse, on progresse. Pour les plus patients, ça a été payant. Hein. Ceux qui ont abandonné le stream, eh ben, tant pis pour eux, hein, j'ai envie de dire. Non, pas envie forcément d'aller par là. Putain, il y a trois portes. Clé rouillée. Bon, ça, on se souviendra. Et là, on peut pas passer. Très bien. C'est la suite de l'aventure. Vous avez vu là, c'est bizarre ici. On peut casser ça. Il nous fera un maillet. Donc on passe par là. Donc on se prépare à prendre un maillet. Déjà on vire le briquet. Il l'a pas mis par terre là cette fois. Non, c'est bon. Parce que mon petit briquet, tu m'abandonnes pas. Hein. Je préfère te prévenir. Vous voyez, les plus patients ont été récompensés. Hein. Ah, petite bougie. Ah, et c'est la clé. Et ben voilà. C'est la clé rouillée. Alors, est-ce qu'on y va maintenant? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On a un peu le choix quand même. Non, on n'a pas le choix. On remonte. Babadog va revenir. Hein. Soyez-en sûr. Moi, j'en vois là qui doute. Soyez-en sûr. Ça va, c'est pas trop dur là. Bon, pour les puristes, j'ai pas vérifié l'objet, mais bon, c'était une clé, somme toute banale. On l'a pas regardé la modélisation. Donc là, on se retrouve derrière, là où on pouvait pas passer. Est-ce qu'on peut sauvegarder maintenant? Non, non, en fait, vraiment, faut. Le petit marteau là, ça serait bien. Non, on peut pas. Ah. On peut prendre la planche. Examiner. Ah oui. Ah oui, elle va nous servir à passer, quoi. Je sais pas où exactement, mais... Bah ici. Elle est où la planche? Elle est là. Allez, viens là. Parce que c'est ça, hein. Attendez. Je vais la poser. On peut pas la poser? Ça serait con de mourir là, alors qu'on sait qu'il faut poser la planche. Ah mon dieu. Ah voilà, ça y est, elle s'est mise. Bon, c'était l'early access. Hein. Je le redis, sauvegarde en cours. Bon, il y a une nette progression. Ce qui est bien, c'est que sur YouTube, je pourrais couper la première heure.
J'ai honte de le dire, hein, mais c'est on a passé 1 heure à chercher. Oh putain! L'appareil photo marche plus. Ouais, pourquoi pas. Je peux plus flasher. Bon, déjà, si je changeais de main, ça serait mieux. Si, si, il marche, il marche, il marche. Et je retourne voir. Je suis curieux. Qu'est-ce que c'est que ça, ces gens-là? Donc, ça va faire, les gens? Pas l'ouvrir, celle-là. Non, c'est des portes factices. C'est des portes factices. Vous posez plus la question. On peut pas les ouvrir. Par contre, ça, c'est curieux, hein, ici. Hein. Il me fait peur, lui. Hein. Bon, si on a des soucis, on retournera le voir. Pour le moment, il a pas l'air hostile. Petite lumière rouge. Bon, là, vraisemblablement... J'y vais parce que si des fois il y a une clé ou une connerie, mais. Non, on peut pas passer, évidemment. On vient de là. Hein. Là, il y a la petite lumière. Là, c'est l'enfer. Putain, je vois rien. Ah la vache. Bon, c'était un trigger certainement à faire. Je sais pas si vous êtes dans votre lit avec le casque ou quoi. Et je vous assure, là, à jouer, hein, c'est. J'ai les mains moites. Hein. Quand je regarde la VOD, mes VOD, pour voir si le son est correct, ou aussi pour me regarder parce que je suis mégalomane, Eh bien, je trouve pas que ça fasse si peur. Je me dis, oh, t'exagères. Mais en fait, si, là. C'est peut-être l'immersion avec le grand écran, c'est le casque quoi, c'est l'immersion. On y joue sur smartphone, j'imagine qu'on s'en branle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis monté et quoi? Ah. Déplacer? Je vois même pas ce que je déplace. Attendez, 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 attendez. Je redescends. Je comprends plus rien. Faut reprendre à zéro. Pousse. Il y a un escalier. Ok. Ça, le concept de l'escalier, je l'entends bien. Je le conçois. Ok. J'y vais doucement, hein. C'est fait exprès. La lampe est à gauche. On peut peut-être l'allumer d'ailleurs. Ah oui. Ah putain, je l'ai vu l'icône. Ah putain. Ils arrivent à m'avoir sur des choses. J'aurais dû penser évidemment que vous allez faire quelque chose. Et toujours 3h33. Par contre, j'aime beaucoup les tableaux. Je vous invite à regarder un Beksinski, un Polonais, un Polak, qui fait des tableaux, bon, pas comme, exactement comme ça, mais assez torturés. C'est magnifique. Si vous aimez ce genre d'art, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est bon là. J'espère qu'on n'est pas redescendu là-haut. J'ai pas souvenir d'ici, hein, de toute façon. Quel labyrinthe! Moi qui avais peur que le chapitre les autres chapitres soient exactement pareils, genre juste les objets changent et on soit dans une autre maison. Ah bah là, je suis comblé, hein, ça n'a rien à voir. On est téléporté complètement dans un autre monde. Le chapitre de Dolores était très très bien. Mis à part là où j'ai un petit peu galéré, le chapitre de Lucie est formidable. Hein. Bon, la porte est là. Il y a tout un merdier. Hein. Dis donc, faudrait peut-être ranger un jour. Hein. Il y a même une voiture. C'est quand même rigolo. On peut monter peut-être. Non. Curieux. Puis il veut pas, hein. Vraiment, il n'y a même pas d'interaction, quoi.
Je regarde un petit peu au sol maintenant. Ah bah voilà. Tout bêtement. On va monter sur la voiture. Non, même pas. Faut trouver les. Voilà, bah de toute façon c'est éclairé, hein. Très bien. Très bien. Bon, j'aime bien moi quand ça se passe, quand on prend un peu. Comme disait Hannibal, quand un plan se déroule sans accroc. Bon, c'est vraiment les vieilles références merdiques, mais bon. Là, j'avais que ça, hein. On peut pas streamer des heures en ayant tout le temps des punchlines efficaces, hein. Pas possible, ça. Bon. Là, il y a de la mouche. Ah non, c'est du. Eh, on est revenu à la maison, si je puis dire. Ah. Sauvegarde en cours. Bon, là on reprend le briquet, hein. On est d'accord, les enfants? C'est bon, je l'ai repris là. Voilà. Bon, là il a pas peur. Si, il a peur. On peut même plus rallumer la lumière. On peut la prendre la bougie avec nous? Oui, voilà, on prend la bougie. Bon, là c'est fermé évidemment. Le compteur. Non, le compteur, c'est. Si, c'est quand même marqué interagir. Oui, enfin, ça ne marche pas, quoi. Par contre, le fait d'être ici, malgré juste la petite lumière, m'a remis un petit peu de peps, on va dire. Peut pas allumer là, non. Bon, on va pas mettre la musique. Alors là, du coup, je sais pas du tout où aller. Hein. Ah, si. Il y a quand même de la. Merde. Il y a quand même des. Il y a quand même de la griffure. Hein. Va suivre la griffure. Voilà, merci. Interagir. Attendez, mais de toute façon, il a griffé partout cet homme. Et ma bouteille de ketchup est toujours là, c'est rigolo. Hein. Façon de parler. Hein. Bon, on va suivre les griffures. Vraisemblablement, il a tourné en rond ici. Moi, je serais d'avis de prendre un médoc. Voilà, pour se calmer un peu. Il n'y a pas de la griffure par ici? Non. On peut toujours pas faire de F5. Si. Alors j'ai pas envie de m'aventurer loin et que ça soit pas du tout là. J'ai compris que le jeu était très 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 scripté. On va mettre une petite bougie là. Putain, le va-et-vient dans les options pour. Voilà. Ah! Il y a la cage du. Ah, excuse-moi, Zazou 2100, j'avais pas vu ton message. Salut. Salut à toi. Excuse-moi, je.
J'étais absorbé. Puis le chat est sur mon portable, il est loin. Je sais pas de à quelle heure date ton message, mais je te remercie de la salutation. Je serais d'avis de continuer par là. Oui, regardez les griffures, elles montent, hein. Et puis on a trouvé un autre briquet. Un petit F5. Ah, il veut pas. On fait le tour. Il veut pas. On peut mettre une bougie là. Allez, mets la bougie. Fais pas chier. Pardon. Je suis un peu stressé là. Allez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Peux plus ouvrir, hein. Et là, on peut plus non plus. Il va nous demander d'interagir avec le rideau et ça nous fout les jetons. Ici, là, quoi ça? Médoc? Un peu de médoc? À la limite, moi j'aime bien hein. Parce que moi il y a moins de possibilités de se tromper. Bon, il y a du sang bon à l'orange. Alors c'est du savon, hein. J'ai quelqu'un sur le chat qui m'avait dit que soap c'était le savon, j'avais oublié. Je l'ai su, et puis j'avais oublié. Bon, vraisemblablement faut fermer la porte pour passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut pas que j'ouvre. Est-ce qu'on peut faire couler l'eau du bain? Non. Pas envie de vider mon briquet pour rien. On est enfermé, hein. Ah. L'eau qui coule. Oh là 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 là. Quelqu'un va ça. Il y a du whisky là? L'eau se remplit. Pourquoi pas? Je regarde. C'est flippant, hein. Enfin, c'est flippant. C'est bien qu'on ait mis la bougie, hein. Oh, il y a un truc qui va sortir de la flotte. Hein, qu'est-ce que t'as écrit là? Non, mais on l'a déjà fait. Mais c'est moi ou il y a de plus en plus de buée? Ou ce qui est normal, on se fait couler un bain, mais. Faut peut-être éteindre la lumière. Putain, j'ai eu peur, c'était un bug avec mon briquet. Non, 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 mais. On rallume la lumière. Alors, attendez. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Il y a de l'eau qui coule. Lumière qui s'éteint, ok. Vite, du moment que j'ai ma bougie, ça m'affecte pas, donc ça va. Ah, je peux ouvrir ça. Attendez, on rallume là. Oh la vache. Quoi. La vache. On l'avait déjà ouvert ça. Et le bain est plein.
Terragir. Ah, carrément. Ah, moi je ferais pas ça. Hein. Moi je ferais pas ça. Hein. Pas. Bon, au moins on a avancé. Il fallait laisser le bain couler. Il fallait laisser faire en fait là. Heureusement qu'on avait une bougie, on serait retrouvé dans le noir, c'était fini. Bon, là Lucie elle est en train de regarder la téloche. Qu'est-ce que tu regardes? Encore en train de regarder. Encore en train de regarder Arte en cachette. On t'a dit de regarder la une. Qu'est-ce qui se passe? I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Ah, c'est toujours une tragédie de savoir que son gamin doit aller voir le psychiatre. Alors, ah, on est toujours en in-game, on va dire. C'est pas elle qui a tué Pico. Il s'appelle Pico le perroquet, mais c'est pas elle qui l'a tué, c'est Babadoc. Nous, on sait. Syringes for a child. Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Ah, c'est pas drogué, j'ai été mauvaise langue depuis le départ. Il y a eu drogage par médecine. En toute légalité. Elle s'est pas droguée suite à un viol ou à un inceste comme je l'avais prédit. Ils ont pété si loin. Il y a eu mort de Pico, le perroquet. Oui, d'accord. Ça, d'accord. Mais c'est un docteur qui l'a. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Don't you remember? Elle a tué Pico. Bon, Pico en même temps. Est-ce qu'il était, c'était un oiseau très sympathique? On ne sait pas. Quel est ce rapport à la baignoire? Elle est bien faite. Hein. De toute façon, le jeu est très beau. Hein. Enfin, moi, ça me plaît. Hein. Oh, ça, pareil, je ne ferai pas ça, quoi. Curieuse idée. En fait, il enlève ses fringues. Hein. Elle est bonne? Mon Dieu, mein Gott. Ah oui, faut se réveiller là. Pff,
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est bon. Oula, oula, oula. Ok. On comprend pourquoi elle avait pas de mâchoire. Ah, faut y aller, hein. Je vous conseille pas d'essayer, mais faut y aller pour s'arracher la mâchoire inférieure. Bon, on a terminé le chapitre de Lucie, hein. Oh mon dieu. Oui, oui, oui. On a une nouvelle cassette. Pride. Alors, je vais vous le dire, Pride, ça veut dire c'est la fierté en anglais. Ne remerciez pas. C'est normal. Ah, les petits coquins. Ah, je peux toujours pas ouvrir. Petit piano. Ah. Ah. On est toujours... Pourquoi donc? Pourquoi donc? Ah! Ah, vous avez trouvé un objet de progression, il sera dorénavant stocké, voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Ah non, faut y aller, hein. Là, faut y aller, hein. Là, je vous le dis. Pour arriver à ce résultat-là, fin du chapitre de Lucie, une fin macabre. Bon, on a terminé le chapitre de Lucie, on a terminé le chapitre de Dolores. Hein. Alors, une fois un chapitre terminé, le jeu loin d'être fini, bon bah comme pour Dolores, explorez la maison une nouvelle fois et vous découvrirez de nouveaux objets clés qui vous ouvriront de nouveaux chemins. Allez dans la salle de progression pour consulter votre degré d'avancement. Vous pourrez également commencer un nouveau chapitre. Ok. Très bien. Alors tout à l'heure, vous m'auriez dit ça il y a 40 minutes qu'on allait finir, il y a une heure qu'on allait finir le chapitre de Lucie. Je vous aurais dit, j'aurais pas été sûr. Je vous aurais dit non. Ok, on est bon. Un petit F5. Très bien, bah très bien, très très bien. Excellent chapitre, hein, si ce n'est que bon bah j'ai galéré. J'ai envie d'aller vite fait... Ah c'est bien, il nous a laissé la bougie. J'ai envie d'aller voir... j'ai envie d'aller à l'étage. Non, c'est pas cet étage-là. C'est où? Ah oui, c'est là-bas. Il est là. On connaît la maison, hein, maintenant. On aurait peut-être dû prendre la bougie, mais bon. J'ai envie d'aller voir la salle de où on stocke nos objets. Ah, les boutons sont revenus. Ah, ça me fait plaisir. Parce que... Le truc du flash, je suis content que ce soit terminé. Voilà, je vous le cache pas. Donc normalement, voilà, dans notre salle de progression, on a le dentier, hein. Voilà, il y a le dentier maintenant de Lucie qui veut bien dire qu'il nous reste un chapitre. On a toujours cet appareil photo démoniaque. Ok. Donc maintenant, on va aller regarder la cassette. Hein, j'imagine que là... Bah, le flash est quand même... C'est vraiment quand on est dans la merde, quoi. Flash. Bon, on n'a pas besoin d'aller là. On va aller regarder la cassette pour commencer un nouveau chapitre. Là, ça m'a remis... je commence à désespérer, hein, je vous cache pas.
Je commence un petit peu à désespérer. La première heure, en plus j'étais seul. Là, je vois qu'il y a du monde, ça me fait plaisir. Je commence un peu à désespérer. Commence à me poser des questions sur ma vie, pourquoi j'étais en train de faire ça. Enfin bon, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Là, ça va mieux. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc à prendre. Hop. Ah non, c'est juste tiroir. Une petite bougie là, bon, pas peut-être refus. Ok, on allume les lampes. On est bien là. Hein, je refais F5. Hein. Oui, sur YouTube, je couperai la. Allez, les 45 premières minutes, hein, parce que vraiment j'ai tourné en rond. On va reprendre la cassette. Oui. Alors, je l'examine, hein, qu'on mette pas deux fois la même. Voilà, Pride. Alors déjà, on va ranger. Parce qu'on est des gens très minutieux. On va ranger cette cassette-là. Et on va mettre la cassette Pride. Pour comprendre. Ah merde, j'ai éteint la télé. Ah quel con, mais. On recommence. J'ai cru qu'on allait pouvoir s'asseoir. Vous comprenez? Ah, j'ai perdu 50 viewers là, juste d'avoir fait cette erreur. J'ai cru qu'on allait pouvoir s'asseoir, mais non, c'était dans le chapitre de Lucie qu'il y avait un siège. Alors. Il y a du manège, il y a du gamin encore. Je sais où c'est ça. C'est la trappe, là où il y a le mannequin. Ça moins avec un écran comme ça. Je connais pas cette pièce. Avec le siège de bar là. Jamais vu. La trappe en premier. Bon là c'est la foire du trône. Hein. C'est le Space Mountain pour enfants. Et c'est tout. Ah. Oui, on connaît pas ici. Hein. Espèce de pas de labo, mais de d'endroit où on travaille, un bureau. Ok. Là, ça tourne en boucle. Hein. Ouais. Allez, hop, on éteint. Je sais où ça se trouve. Il faut oui, on va aller par là. Ça fout là, ça. Il y a une clé là, hein. La clé Oméga. Merci bien. Heureusement qu'on est passé par là et on n'a pas fait le tour. F5. Si j'ai appris un truc dans le jeu, c'est qu'il faut tout le temps sauvegarder. On va descendre par là. Il n'y a pas d'interrupteur par ici. Si. Voilà, merci. Là, pareil, il n'y en a pas un. Si. Là, on est bon, hein. On est bon là maintenant. Là, il y a du grand jeu là. C'est du jeu. Là, il y a du gameplay de qualité. Voilà, on allume tout. Très bien. Commence à connaître le truc. On a dû peut-être prendre les bougies, mais bon. On va pas se plaindre. Voilà, ça non. Mauvaise idée. On va aller vite au bout pour allumer la lumière. Voilà. Là, on est bien. Voilà, je me rappelle bien la maison. Voilà. Et c'est par là. Et j'en allume. Oh putain, mais là, tout est. Là, on est dans un cercle vertueux. Là. Tout se passe comme j'ai envie. Là, on allume tout bien. On peut même éteindre le briquet. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bouton ici, tiens. Ah bah c'est quand même con que j'ai pas vu qu'il y avait un bouton ici alors que j'ai joué pendant 10 heures. 12 heures peut-être.
Il était peut-être pas avant, hein. C'est ici. Oui, on n'aura pas eu à chercher longtemps. Hein? Impossible de cette action pour l'instant? De quoi tu me racontes? Il y a le symbole Oméga? Il y a un symbole étrange, c'est verrouillé. Ah, il n'y a pas de trou de serrure? Oméga, oui d'accord. Comme God of War. Ah oui, mais là c'est un H. Ah merde, c'est pas ça. Il y a le coffre à l'étage. On peut tenter le coffre. À quoi? Ah oui. Allez, s'il te plaît. Oui, je sais, je sais. J'allumais quoi là? Que dalle! Elle est morte? Mon briquet est vide? Oui. Donc du coup on va reprendre... Non mais on garde la bougie. J'ai dit qu'on allait à l'étage. Hein. On va rester là. On va se prendre un coup de médoc. Hop. Essaye de jouer bien. Voilà. Je pense que le... Le coffre... C'est là, hein. Je dis pas de bêtises. Je vois que ça, hein, qui s'ouvre avec une serrure, hein, pour l'instant. Mais il n'y a pas de symbole Oméga dessus. Ah putain, c'est pas ça. J'ai vraiment pas souvenir. Enfin, la dernière fois j'avais dit ça aussi, puis en fait, si je me souvenais, j'ai vraiment pas souvenir. Bon, là on est bien, on allume tout bien. F5. Bah, ça s'est rééteint là. Qu'est-ce que c'est là? Il y a une tâche. On n'a pas... Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas entamé... Voilà, c'est les matrioshka qu'on a trouvé. On n'a pas entamé de nouveaux chapitres. C'est ça, je trouve ça curieux. Parce que quand on a fini celui de Dolores, tout de suite, ça nous a indiqué. On a trouvé un objet, et tout de suite, on a commencé celui de Dolores, quoi. Donc, du coup, j'ai envie de retourner voir la petite salle. Il n'y a pas de lumière ici? Il y a toujours les boutons, on les met là normalement. Il n'y a pas de bouton ici, hein. Ah merci.
J'ai envie d'aller, de retourner voir. Pour débuter un nouveau chapitre. Parce qu'ils nous disent qu'on a le choix de débuter un nouveau chapitre quand on est ici. Si on regarde le dédic. Interagir, ça ressemble à un présentoir, il n'y a rien dessus. Regardez, quand on va dans le didacticiel, quand on fait salle de progression, regardez, c'est marqué une fois. Ces salles contiennent les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin d'un chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. Non, là, il ne répète pas qu'on peut changer de. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qui me ferait peur? Il y a plein de bougies. Je peux pas avoir peur. Alors, il faut qu'on trouve un quinte. Ah, évidemment, ça aurait été trop simple. Hein, si ça avait été trop... on aurait... Là, on va galérer pour débuter un chapitre. J'ai envie de revoir la vidéo. J'ai cru que c'était la trappe, mais c'est pas la trappe. Rien allumé ici, ah voilà. Voilà. Quand même. Nom de Dieu. Quand même mieux là, on est quand même bien mieux. On va se remater la vidéo. On peut rallumer la télé peut-être comme ça. Est-ce que ça relance le programme? Pas l'impression. Non, on va se remater la cassette, hein, je suis désolé. Hein. En avoir le cœur net. J'ai cru que c'était la trappe. H. C'est où ça? Mais non, mais c'est ça, H. Faudrait que je prenne le pied de biche. Dans la salle de stockage. Et puis après, bah oui, ce labo. Bon, après, on s'en fout. Parce que de toute façon, on y a jamais été. Il faut aller chercher le pied de biche. Oh putain. Je vais descendre par là. J'ai gravité dans cette maison pendant des heures. Je suis toujours pas vraiment au clair. Hein. C'est ça. De toute façon, qu'est-ce qui peut nous tuer? Il n'y a pas eu de monstre. On n'a pas commencé le chapitre. Rien du tout peut nous tuer là. Et encore une tâche. Hein. Ça fait la deuxième. Il y en a une à l'étage et il y en a une ici. Hein. Pour le moment, on n'a pas commencé le chapitre. Donc on se souvient, il y a deux tâches. Il y en a une ici et une à l'étage. Ça s'est éteint, non? Non, c'est bon. Bon, là, évidemment, ça peut nous donner un indice, mais... On n'en est pas là. Comment on allume cette putain de lampe? Ça allume pas, hein. La fonction de fonctionner correctement. Ça pas la même définition de fonctionner correctement. Hein. Non, non, regardez bien. C'était... C'est pour ça que j'ai dit la... C'est pour ça que tout de suite... Ah, il y a un briquet, ça c'est génial. C'est pour ça que tout de suite j'ai dit la trappe.
parce que j'ai reconnu quoi. C'est ça, avec un H. Je vais aller chercher le pied de biche. Je crois que l'inventaire, enfin le la salle de stockage est juste là. Quoi? On est collé à la lumière là. Je crois qu'elle est là. Hein. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on peut se débarrasser? Bon, déjà, on se fout là. On se débarrasse de. Bah, ça, on s'en fout de l'objet. Le baby call, la boussole et ça, on s'en fout. Maintenant. Voilà, ils sont gentils, mais on s'en fout maintenant. On va prendre la. On va prendre ça, là. On va y aller au. Hein? Merde, c'est par là. Ah, c'est agencé d'une façon. Pour se perdre, il n'y a pas mieux. On va y aller au pied de biche. Le moniteur pour B dans la pièce de stockage, ok, très bien. C'est ce que je voulais. Normalement, on peut l'ouvrir là. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Putain, mais alors, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette clé? J'ai pas à souvenir. Avec un symbole Oméga. Il y a un symbole étrange dessus, c'est verrouillé. Il n'y a pas de clé de serrure. Enfin, un tournevis. Non, non, mais ça sert à rien à ce que je fais. Je suis tenté d'aller même, de prendre le marteau, mais bon. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas à cette idée de marteau. Bon, on va laisser le. On va laisser ça là. Ah, bah on peut allumer. Putain, mais j'avais pas vu. J'ai jamais allumé ici. J'ai toujours fait chier à. Là, pour le coup, du coup. Enfin, pour le coup, là, je j'ai pas souvenir. C'est la première fois que c'est allumé ici. Hein. Ah si, en haut, là, il y avait des cadenas. Attendez, il... Ah oui, mais c'est... Attends, c'était où ce petit escalier qui... où ça nous menait à des cadenas? Ouais, ok, pièce de stockage. Ah, j'ai pas souvenir. C'est terrible. Hein. Tout est allumé, là, maintenant. On a... Il faut qu'on arrive à ouvrir le truc avec le H. Mais avant, on a la pièce. Une pièce. Il y a forcément une pièce qu'on n'a pas faite. Ah bah voilà. Enfin, je dis voilà. Non, c'est... Ah, on peut pas faire mieux là. L'allumer celle-là. Voilà, tout est allumé. La baraque est complètement allumée. On n'a jamais aussi bien fait. Juste ici ou. Voilà, ça c'est la tâche.
Au moins prendre l'avance. Il y a une bougie là. Mon dieu. Bon écoutez, je vais arrêter là. On se regarde la chambre du gosse. J'y crois pas trop. Et puis on commencera le ce second chapitre demain. Là ça fait 2h11. Je stream. On va continuer encore un petit peu. Je sais pas. On va bien trouver quand même. Au moins commencer le chapitre. On a fait le tour. Attends, je suis en train de me faire du mal. Examiner quoi. Pour retourner dans la chambre là. On a une petite clé. Mais alors. Bon, on se souvient qu'il y en a une là, il y en a une. Où était ce petit escalier? Il y avait un petit escalier, je me souviens. Voilà, elle est là. Hein. La tâche est vraiment là. Bon, après, il y a le côté de la voiture où nous ne sommes pas allés. Peut-être qu'on peut ouvrir le coffre. Non, mais c'est pas une clé de bagnole. Non, absolument pas. Bon, là, le briquet est vide. Normalement, on peut allumer mieux que ça ici. Voilà. Faire un petit tour dans la bagnole, mais bon, c'est vraiment histoire d'eux, hein. Interagir. Non, il n'y a plus rien à faire. J'ai vraiment pas souvenir de d'autre chose que le coffre avec une clé, hein. Je suis vraiment là. Là, puis on va retomber, oui, voilà. Non, on retombe sur la pièce. Sur notre petite pièce. Je ne vois pas. Puis là, cette trappe. Comment on peut l'ouvrir à coup de maillet? Enfin, je suis sûr que ça n'a pas fonctionné avec le maillet. Enfin, il y a un H, il faut... Là, il y a cette tâche. Et je pense que tant qu'on n'a pas commencé le chapitre, on pourra pas interagir avec les tâches ou... Non, bon, là je me fais plus avoir. C'est pas un rouleau. C'est du papier sopalin. Vraiment, ça me dit rien du tout. Hein, je me répète, mais. Cette clé. Ce symbole là. Pas souvenir. De l'avoir vu.
de l'avoir vu. La cage aux pigeons? C'est la cage de Pico? Non. Non, c'est bon. Enfin, je vais bien me reprendre un coup de médoc, mais... Là, on est en train d'utiliser des objets pour pas grand-chose. Surtout qu'on progresse pas, donc... Plus il est vide. Non, puis il y a vraiment un message au départ qui nous dit qu'on peut commencer un nouveau chapitre en étant dans la salle des objets, mais... écoutez, je... Ah, c'était ça ici où tout était barricadé. C'était ça que je cherchais, mais en fait... Bon, on va aller, on va retourner. Tout est allumé, de toute façon, normalement. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable, j'ai enfin trouvé le bouton du... pour allumer ici. Et il y a encore une tâche ici. Ça en fait 3. Hein. Quand on aura où, quand on va avoir commencé le chapitre, on saura exactement où se placer. Hein. Enfin, je veux dire, on sait où sont les tâches. On peut les allumer? Non. Non, non, il y aura un truc à faire. Alors ça... Il y a un symbole étrange dessus, c'est verrouillé. Ah putain. On va aller là où on ne sommes pas allés tout à l'heure. En plus, on retrouve une boîte de médoc, c'est parfait. Le jeu est cool, hein, quand il voit qu'il n'y a plus rien, il redonne. Hein. Prendre une ampoule, même si franchement les ampoules ne m'ont vraiment pas servi. Hein. En toute la progression du jeu. Y'a quoi ici? C'est pas cet escalier là que je cherchais justement. Ah bah non. Ah mais on peut descendre directement de là. Ah mon dieu. Moi qui fais des grands tours et tout. C'est un vrai labyrinthe. Ah, attendez. Ok. Non. Putain, j'arrive à me paumer, hein. Là, il y aura une tâche. C'est par là, voilà. C'est par ici que nous ne sommes pas allés. Enfin, ce dernier endroit où... La boussole, voilà, ok. De... Là franchement, il y a encore une tâche ici. J'aurais dû les prendre en photo, je vais me faire chier à les retrouver. Ça en fait 4. Bon, il est allumé de toute façon, le compteur. Voilà. J'espère que ça n'a pas éteint toutes les lampes. Mais si, ça a éteint toutes les lampes, mais qu'est-ce que je suis... dernière sauvegarde automatique. Ah, je suis désolé. Je suis obligé. Non, non, là, je suis obligé. En abaissant le compteur, il faut que je rallume toutes les lumières. C'est pas possible. Ah, on est d'accord. Là, je vois que sur le chat, les gens s'énervent, mais c'est pas raisonnable. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Je continuerai demain. Je continuerai demain, là, il est 1h20. Je vais arrêter là. On fera la partie 8 demain. On commencera un nouveau chapitre. Et puis, on va trouver le...
la signification de ce H, on va trouver qu'est-ce que ouvre la clé Oméga. Ouais, on fera ça demain. Parce que là, je fatigue au niveau du jeu. Je fatigue. Mettre en pause. Allez, je vous mets mon petit générique de fin. Vous allez voir, c'est une excellente musique. Ça va vous permettre de changer d'état d'esprit. Et je vous dis à demain. Je joue à Dead Space demain. Et puis je ferai aussi vers 15h, comme d'habitude. Et puis à 11h, bien sûr, Visage, que j'aime beaucoup, hein, malgré qu'on perd des heures. Allez, je vous embrasse. À demain. While corrosion bites. And that's what makes us who we are.